بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Je me présente, Dagigé Abdel Ali, professeur de physique chimie au lycée qualifiant Saqiya Al-Hamra, direction provinciale L'Aïoun, académie régionale L'Aïoun Saqiya Al-Hamra. Aujourd'hui, je propose un cours de soutien qui est destiné aux étudiants de baccalauréat, deuxième année de baccalauréat. Alors, aujourd'hui, je vais corriger une partie d'électricité de l'examen national de la session normale 2007. Premièrement, je vais commencer par l'énoncé. Nous utiliserons quotidiennement des appareils électriques et électroniques qui contiennent des circuits comprenant des conducteurs ohmiques, des bobines, des condensateurs et des circuits intégrés, réalisant des opérations mathématiques ou logiques. L'objectif de cet exercice est d'étudier dans sa première partie l'établissement de la rupture du courant dans un dipôle RL et dans sa deuxième partie l'étude de la modulation d'amplitude. Les deux parties sont indépendantes. On va commencer par la première partie. Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension. Pour étudier la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension, le professeur de physique a réalisé avec ses élèves le montage électrique schématisé sur le figure 1 qui comporte un générateur idéal de tension de force électromotrice E égale à 6,5 volts, une bobine d'inductance L et de résistance petit r, un conducteur ohmique de résistance R égale à 60 ohms et un interrupteur K à double position. On va commencer par la première question. Dans une première étape, le professeur étudie l'établissement de courant dans une bobine en mettant l'interrupteur K dans la position 1. Donc, dans le schéma, maintenant, nous avons un interrupteur qui peut être dans la position 1 ou la position 2. Premièrement, on va travailler où K est dans la position 1. Ça veut dire qu'on travaille dans un circuit qui contient un générateur de tension idéal et une résistance et une bobine. Alors, pour question A1, recopier le schéma de figure 1 et représenter en convention récepteur la tension UR aux bornes de conducteur ohmique. Donc, on va recopier le schéma de figure. Nous avons le schéma de figure pour la partie, bien sûr, la partie numéro 1. Exercice 3. Partie 1. Donc, partie 1. Question numéro 1. Le schéma de figure est constitué d'un générateur de tension, voilà, d'un générateur de tension idéal, une bobine, un conducteur ohmique. Nous avons le sens de courant positif, I. On veut représenter la tension UR aux bornes de conducteur ohmique. Bien sûr, en convention récepteur, ça veut dire est représenté au sens contraire de la courant UR. Ça, c'est pour la première question, 1-1. 1-2. Trouver en fonction des paramètres du circuit l'expression de l'intensité du courant IP en régime permanent.
On applique la loi d'addition des tensions nous avons la tension UR, la tension UL au bord de la bobine et la tension au bord du générateur qui est égale à la force électromotrice E. Donc selon la loi d'addition des tensions, on écrit alors que UL plus UR égale à E. On va remplacer l'expression littérale de UL, c'est L DI sur DT plus RI. Aussi, on va remplacer selon la loi d'Ohm l'expression de la tension aux bandes de conducteur UR, c'est RI égale E. On va factoriser par I, c'est R plus R fois I égale à E. En régime permanent. En régime permanent, on sait tout d'abord qu'en régime permanent, toutes les grandeurs électriques sont constantes. Donc, U de T égale à une constante, symbolisée par IP, intensité permanente. Puisqu'elle est constante, donc sa dérivée égale à 0. Donc, on appelle cette expression numéro 1. L'expression 1 devient l'expression numéro 1 devient donc L fois 0 plus R plus R fois IP égale E. Nous, on cherche l'expression littérale de IP. Donc, IP, l'intensité en régime permanent, s'écrit sous la forme E divisé sur R plus R. Voilà pour la question 1-2. Maintenant, on va passer à la question 2. Pour la question 2, dans une deuxième étape, le professeur étudiait la rupture de courant dans la bobine. Lorsque le régime permanent est atteint, elle bascule à un instant t égale à 0, l'interrupteur AK, sur la position 2. En prenant les précautions nécessaires. Donc, lorsque le régime permanent est atteint, on bascule l'interrupteur K. Voilà, dans le circuit. Lorsque le régime permanent est atteint, on bascule l'interrupteur K de position 1 vers position 2. Bien sûr, on tient compte les précautions à prendre. Dans ce cas, lorsque l'interrupteur est en position 2, on travaillera dans le circuit qui contient seulement une bobine et un conducteur ohmique. Alors, avec un système informatisé d'acquisition, par exemple la carte FastLap, elle obtient la courbe de la figure 2 représentée les variations de la tension UR aux bornes de conducteur ohmique. La droite T, et la tangente représente la tangente de la courbe à l'origine, dit-on. Première question de cette partie, de 1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UR. Donc, de 1. Soit le schéma de figure
suivante. Maintenant, on a basculé l'interrupteur K de la position 1 vers la position 2. On travaille dans le circuit suivant. Le circuit ne contient qu'une bobine et un conducteur ohmique. Voilà, donc, choisis un source de courant arbitraire. Après, on représente les tensions en convention récepteur, UR, puis UL. Pour trouver l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes au conducteur UR, il suffit d'appliquer la loi d'addition des tensions. Donc, selon la loi d'additivité des tensions, on a UL plus UR, la tension au bord de la bobine, plus la tension au bord de conducteur ohmique égale à 0. Selon la loi d'Ohm, on va remplacer l'expression littérale de UL et aussi de UR. Donc c'est L dI sur dt plus RI. Ça, c'est pour UL. Selon la loi d'Ohm aussi, UR égale à R fois I. On va factoriser par I. Nous avons le résultat dU sur dt plus R fois I. Voilà. Après, on va diviser sur la résistance totale du circuit, ce qui est égal à R plus petit r. On trouvera le résultat suivant. L sur R plus R, dI sur dt plus I égale à 0. Ça, c'est l'équation différentielle vérifiée par le courant qui circule dans le circuit. Mais non, pour la question, on cherche l'équation différentielle vérifiée par la tension UR. Donc, il suffit de multiplier par R tous les termes de cette égalité. On a donc d sur dt, voilà, on va multiplier par R plus, de même, on va multiplier par R. Ah, bien sûr, R fois 0 égale à 0. On sait tout d'abord que UR égale à R fois I. On a donc l'équation suivante. Plus UR égale à 0. Voilà, d'où le résultat. Donc, d'où l'équation différentielle vérifiée par UR. Maintenant, on va passer à la question suivante, c'est 2-2. La solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme UR égale à R fois IP exponentielle moins T sur T. Trouver l'expression de T. Ça, c'est pour la question 2-2. Puisque cette expression est solution de l'équation différentielle, donc elle doit vérifier l'équation différentielle. Donc, question de deux, réponse. On a UR égale à R fois IP fois exponentielle moins T sur T.
C'est l'expression de la solution proposée par l'exercice. Puisque cette expression littérale est solution de cette équation différentielle, donc on doit vérifier le dans l'égalité. On a besoin tout d'abord de l'expression UR, elle est là, et l'expression de la dérivée première par rapport au temps de la tension UR. Alors, je vais commencer tout d'abord par calculer la dérivée première par rapport au temps de la tension UR. 2UR sur dt égale. Donc, R, IP, ce sont des constantes. Voilà, R fois IP fois la dérivée de l'exponentielle moins t sur tau est égale à moins 1 sur tau exponentielle moins t sur tau. Parce que mathématiquement, exponentielle f de t prime égale f prime de t multiplié par exponentielle f de t. Voilà. Idem pour l'exponentielle moins t sur tau. On va dériver moins t sur tau. La dérivée de moins t sur tau, c'est moins 1 sur tau, multiplié par l'exponentielle f de t, multiplié par l'exponentielle moins t sur tau. Voilà, on va simplifier un petit peu l'expression. Donc, c'est dUR sur dt égale moins R fois IP divisé par tau exponentielle moins t sur tau. On a donc deux expressions, 1 et 2. Deuxième étape, on va remplacer l'expression numéro 1 et l'expression numéro 2 dans l'équation différentielle. On remplace 1 et 2 dans l'équation différentielle. On a alors L divisé sur R plus R, dUR sur dt plus UR égale à 0. Donc c'est L sur R plus R. Or, dUR sur dt est égal moins R fois IP divisé par tau exponentielle moins t sur tau plus UR. On va remplacer UR par leur expression. C'est RIP exponentielle moins t sur tau. R IP exponentielle moins t sur tau égale à 0. Bien sûr, après, on va factoriser par le terme commun. Le terme commun, c'est RIP exponentielle moins t sur tau, RIP exponentielle moins t sur tau, donc RIP exponentielle moins t sur tau, facteur. Ici, il vous reste 1. Ici, il vous reste plus L divisé sur R plus R fois moins R, moins 1, pardon, moins 1 sur tau égale à 0. Nous avons factorisé par le terme RIP exponentielle moins t sur tau. Ici, il vous reste 1, ici, il vous reste moins 1 sur tau. Après, on va
utiliser certaines propriétés de mathématiques. Nous avons le produit égal à zéro. Ça veut dire chacun des termes soit nul. On sait tout d'abord avec R différent de 0, avec exponentielle moins t sur tout est strictement positif, donc il ne peut pas être nul. Aussi R différent de 0, la tension au régime permanent différent de 0, donc qu'est-ce qu'il vous reste? 1 plus L sur R plus R fois moins 1 sur tout égale à 0. Donc, c'est 1 égale à L sur R plus R fois 1 sur tout. D'où l'expression littérale de constante de temps de dipôle RL s'écrit sous la forme tout égale L sur R plus R. Nous avons donc trouvé l'expression littérale d'auto qui est égale à L sur R plus R. Maintenant, on va passer à la question 2-3 qui sert à exploiter la courbe de la figure. On va revenir à la courbe de la figure. Alors, 2-3, en exploitant la courbe de la figure 2, voilà la courbe de la figure 2 que vous voyez ici. Petit a, montrer que la résistance petit r de la bobine est égale à R 5 ohms. On va utiliser cette courbe pour prouver que la résistance interne de la bobine est égale à 5 ohms. Alors, 2, 3, petit a. Pour la question A, on va utiliser... On a l'expression de UR s'écrit sous la forme UR de T égale à R fois IP exponentielle moins T sur tout. Généralement, lorsque nous avons une expression de la solution et on cherche certains paramètres qui caractérisent le circuit, soit on travaille au régime permanent, ça veut dire lorsque T tend vers l'infini, ou bien on travaille aux conditions initiales. Ici, on s'intéresse aux conditions initiales, ça veut dire la tension UR aux bornes de conducteur ohmique à l'instant t égale à 0. Voilà, donc on va remplacer, on va chercher UR à l'instant t égale à 0 égale à quoi? C'est IR. RIP exponentielle moins 0, exponentielle 0. RIP exponentielle 0. On sait tout d'abord que R fois IP. Or, d'après la question numéro 1-2, d'après la question 1-2 précédemment, nous avons l'expression de IP IP égale
E divisé par R plus R. De 1 et 2. On en déduit que UR à l'instant t égale à 0 égale à quoi? R multiplié par IP, ça veut dire multiplié par R plus R. Nous, on cherche la résistance interne petit r. Donc, mathématiquement, on va multiplier r d'où r plus r égale à quoi? R fois E divisé par UR à l'instant T égale à 0. D'où petit R, donc petit R égale à R fois E divisé par UR à l'instant T égale à 0 moins R. Pour simplifier un petit peu, on va factoriser par R. D'où l'expression de la résistance est R factorisé E sur UR à l'instant 0 moins 1. Donc R 60 ohms. E est donné dans l'exercice, c'est 6,5. Bon, il vous reste à chercher UR à l'instant t égale à 0. On va revenir à la courbe pour chercher UR à l'instant t égale à 0. Pour revenons à la courbe, nous avons la variation de la tension UR aux bornes de conducteur en fonction de temps. À l'instant t égale à 0, UR égale à 6 volts. Donc, graphiquement, UR égale à UR à l'instant T égale à 0 égale à 6 volts. Alors, application numérique, petit R, 60 multiplié par E, force électromotrice de générateur, 6,5, UR 6 moins 1. À l'aide d'une calculatrice scientifique, on trouvera 5 ohms. Ça, c'est pour la question petit a qui sert à vérifier que la résistance est égale à 5 ohms. Maintenant, on va passer à petit b, vérifier que la valeur de l'inductance de la bobine est égale à 182 millihenry. Alors, ici, on doit utiliser la courbe pour trouver L. On a besoin de la valeur de la constante de temps, de dipôle RL. On sait, d'après la courbe, qu'il y a un tangente à l'instant T égale à 0. Et on sait tout d'abord qu'auto représente l'abscisse de l'intersection de la tangente à l'instant T égale à 0 et de l'asymptote. Donc, l'intersection de la tangente à t égale à 0 et l'asymptote donne, nous avons une échelle ici, vous avez 5 divisions, ça veut dire que pendant 2 millisecondes, nous avons 5 divisions. Donc 2 sur 5, c'est 0,4. Nous avons donc 2 plus 2 carreaux, ça veut dire 2 plus 2 carreaux. Voilà. Taux de plus 2 carreaux et chaque carreau contient 2 sur 5, donc 2 fois 2 sur 5,
Donc c'est 2 plus 2 fois 0,4. Donc c'est 2,8 millisecondes. Parce que nous avons deux carreaux après deux. Chaque carreau est 0,4. 2 sur 5, c'est 0,4. Donc c'est 2,8. Alors on a besoin de cette valeur de temps pour trouver dans la question petit b la valeur de l'inductance de la bobine L. Alors, maintenant on passe à petit b. Petit b. On sait que l'expression, nous avons déjà montré cette expression d'après les questions précédemment, que l'expression de la constante de temps de dipôle RL est égale à le coefficient d'induction divisé par la résistance totale du circuit. D'où L égale à temps multiplié par R plus R. Bon, l'expression littérale de coefficient d'induction L, graphiquement, on a temps égal à 2,8 millisecondes. Donc, application numérique de L, 2,8, on va transformer en secondes, 10 moins 3, multiplié par petit r égal à 5 ohms, plus la résistance de conducteur ohmique, c'est 60. À l'aide d'une calculatrice scientifique, on trouvera que c'est 0,182 Henry. En fait, la question est petit b, vérifier que l'inductance est égale à 182 millihenry. On va transformer en millihenry. Virgule 182, 1 Henry égale à 10 à la puissance 3 millihenry, on trouvera le résultat. D'où le résultat. L, 182 millihenry. Donc ça, c'est pour la première partie. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est intéressée à la modulation d'amplitude. On sait tout d'abord que la transformation de l'information est assez importante dans la vie quotidienne. C'est pour cela qu'on s'intéresse aux méthodes de transmettre des informations. Une des méthodes qu'on a vues, c'est la modulation qui a trois types. Modulation de fréquence, modulation d'amplitude et modulation de phase. Nous, on s'intéresse dans cette partie à la modulation d'amplitude. Alors, partie 2. Partie 2. Pour étudier la modulation d'amplitude et vérifier la qualité de modulation au cours d'une séance de TP, le professeur a utilisé avec ses élèves un circuit intégré multiplieur. Un circuit intégré multiplieur. En appliquant une tension sinusoïdale U1 égale à PM cosinus 2PFPT à son entrée E1 et une tension U2 égale à U0 plus S de T à son entrée O2. Avec U0, la composante continue de la tension, et S de T égale à SM cosinus 2PFST, la tension de modulation. La courbe, voilà, nous avons le circuit de modulation pour réaliser la modulation d'amplitude. Nous avons un multiplieur. C'est un circuit intégré AD6633 qui a quatre bornes, mais on travaillera pour nous, on s'intéresse maintenant au. L'entrée 1 et l'entrée 2 et la sortie. Bien sûr, pour
réaliser la modulation d'amplitude, il suffit de multiplier l'information et l'onde porteuse pour trouver l'expression de l'onde modulée en amplitude. Alors, la courbe de figure 4 représente la tension de sortie US égale à KU1 U2, visualisée par les élèves à l'écran d'un oscilloscope. K est une constante positive, caractérise le multiplieur X. Voilà, première question. Montrez en précisant les expressions de A, U2M, que la tension US s'écrit sous la forme US égale A facteur 1 plus M cosinus de PFS fois cosinus de PFPT. Voilà, donc, pour montrer cette expression, nous avons l'expression de la tension de sortie s'écrit sous la forme US égale à 1 K fois U1 fois U2. U1 égale à PM cosinus de PFPT et U2 égale à U0 plus S2T. Donc, on va montrer l'expression. Partie 2. Question pour la partie 2, question numéro 1. Alors, on a US, on a à la sortie du circuit intégré. US de T égale à K U1 de T multiplié par U2 de T. Or, d'après les données, nous avons l'expression de U1, c'est U1 égale à PM cosinus de pi FPT. On va remplacer aussi U2, c'est U0, c'est U0 plus S de T. Et S de T égale à SM cosinus de pi FST. Alors, U2 égale à U0 plus U1, et U1 égale à SM cosinus de pi FST. Première étape, on va changer la position des termes. Donc, c'est K PM U0 plus SM cosinus de pi FST fois multiplié par cosinus de pi FPT. On va factoriser par la composante continue U0, K PM U0 facteur 1 plus SM divisé par U0, voilà, SM divisé par U0, cosinus de pi FST multiplié par cosinus de pi FPT. Bien sûr, dans notre question, on cherche à écrire US sous la forme A facteur. Bien sûr, en exploitant l'expression, en précisant l'expression de A et petit m. On pose, ou bien d'où, l'expression finale de US. US posera ça égal à A. Et ça, c'est le coefficient, le taux de modulation petit m. D'où US de T égale à A facteur 1 plus M cosinus de pi FST multiplié par cosinus de pi FPT. Bien sûr, en précisant l'expression de A avec A égale à K fois PM fois U0
Et le taux de modulation M égale à Sn sur S0. Voilà, question 2.1. Trouvez les fréquences Fp de l'apoptose et Fs de la tension modulée. On sait tout d'abord que à l'enveloppe, nous avons la tension modulante. À l'enveloppe, nous avons la tension modulante. Et à l'intérieur, nous avons la tension porteuse, ou l'onde porteuse. Alors, on va commencer par chercher Fp, donc fréquence de la porteuse. 2-1. Voilà. 2-1. De 1, cherchons FP, la fréquence de la porteuse. D'après la figure 4, on a, revenons à la figure 4, on va choisir un intervalle. Par exemple, on va choisir entre 5 et 15, 5 millisecondes et 15 millisecondes. Nous avons combien de périodes TP de l'apoptose? C'est 1. On va calculer le nombre des périodes TP entre 5 et 15 millisecondes. Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il y a 10 TP, 10 TP entre 5 et 15. On doit vérifier bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc on a 10 TP entre quoi? 15 et 5 millisecondes. Donc, 10 TP égale à 10 millisecondes, d'où TP égale à 1 milliseconde. Maintenant, on cherche la fréquence. On sait tout d'abord que la relation entre la fréquence et la période, c'est l'inverse. Or, FP égale à 1 sur TP, d'où FP égale à 1 sur 10 moins 3, FP égale à 1000 Hz. Voilà, 1000 Hz. Maintenant, cherchons Fs, la fréquence de la tension modulante. Il y a plusieurs méthodes pour Il y a plusieurs méthodes pour trouver Fs. On va chercher la plus simple. On sait tout d'abord que il y a entre 15 et 5, entre 10, deux minima successifs, c'est TS, la période de l'onde modulante. Donc, on va utiliser Fs ou bien la différence directement. Soit on cherche à l'intérieur de TS combien de TP, on va faire l'inverse, ou bien on fait la différence directement entre deux minima successifs ou bien entre deux maxima successifs, bien sûr de la tension modulante qui se trouve à l'enveloppe. Donc, nous avons 15 moins 5 d'après l'accord, d'après l'accord
Après la corde, on a TS égale à 15 moins 5 millisecondes. Ça veut dire, si 10 millisecondes, ou bien 10 fois 10 moins 3 secondes. D'où TS égale à 10 moins 2 secondes. Sachant que la fréquence de signal modulante est égale à l'inverse de la période. Donc c'est Fs égale à 100 Hz. Pour la deuxième méthode, à l'intérieur d'une TS, si on calcule, il y a 10 TP. À l'intérieur d'un TS, voilà. Si on prend, ça c'est TS. À l'intérieur d'une TS, il y a 10 TP dans la corde. Donc l'inverse, 1 sur TS égale à quoi? 1 sur 10 fois 1 sur TP. Voilà. Donc FS égale à 1 sur 10 FP. Nous avons déjà calculé FP, nous avons trouvé 1000 divisé par 10, c'est 100 Hz. Ça, c'est la deuxième méthode pour calculer la fréquence FS de signal modulant. Maintenant, on passe à la dernière question, c'est 2-2. Déterminer le taux de modulation et en déduire la qualité de modulation. Alors, on sait que l'expression de taux de modulation s'écrit sous la forme petit m égale à um max ou bien us max, la valeur maximale de la tension du tension modulée moins us min divisé par us max plus US min. Donc, graphiquement, j'ai cherché graphiquement combien US max et combien US min. Revenons à la courbe. Vous avez la tension modulée après réalisation de modulation. US max, c'est la valeur maximale de la variation de la tension US. Ici, nous avons la variation de la tension US à la sortie du circuit intégré à DC 633. Donc, on doit chercher la valeur maximale de cette variation. La valeur maximale se trouve ici. Donc, on va projeter sur l'axe des ordonnées où nous avons US max. Proche, c'est 3 volts pour US max. Par contre, US min, ça vaut 1 volt. Donc, US min, 1 volt. US max, c'est la valeur maximale de la tension UC, de la variation de la tension UC, c'est 3 volts. En revanche, la valeur US min, c'est la valeur minimale, c'est 1 volt. Donc, 3 volts. 1 volt. On va remplacer.
M, application numérique, ça vaut combien? C'est 3 moins 1 divisé sur 3 plus 1. 2 sur 4, c'est 0,5. Enfin, déduire la qualité. Donc, déduction. On a le taux de modulation petit m inférieur à 1 et fp supérieur à ou égal à 10 supérieur égal à 10 fs, d'où on va maintenant déduire, faire une déduction qui concerne la qualité de modulation, d'où la modulation et d'où donc, pardon, nous avons donc une bonne modulation. Nous avons une bonne modulation. Donc, jusqu'à ici, on a fini la partie d'électricité de l'examen national de baccalauréat. Bien sûr, section sciences expérimentales de section sciences physiques, français BIOF. Merci de votre attention et on se verra, Inch'Allah, à un autre examen.